Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un phénomène qui se produit, qui arrive fréquemment, mais ça arrive à beaucoup de personnes. En fait, quand vous freinez, vous avez le volant qui tremble. Si ça vous arrive et que vous avez, au moment, à chaque fois que vous touchez la pédale de frein, vous avez le volant qui tremble, en fait, c'est souvent, ça vient des disques. Voilà, ça peut venir des rotules, mais la plupart du temps, ça vient du disque. Pour contrôler ça, en fait, des fois, ça peut le faire dès que vous avez un disque tout neuf. Si jamais vous achetez des disques neufs et que vous achetez des plaquettes aussi qui sont neuves et que vous montez l'ensemble, et si vous avez freiné, par exemple, admettons, vous avez je sais pas moi, une caravane, une remorque bien chargée et que vous insistez sur le freinage, en fait, vous chauffez vos plaquettes de frein. En fait, quand vous chauffez vos plaquettes de frein, si vous les enlevez, elles vont pas être grises, elles vont être un peu jaunâtres, violet un peu. En fait, ça s'appelle du glaçage. Vous glacez vos plaquettes, elles ont du mal à freiner. Et ce que vous faites, vous insistez, plus vous appuyez, plus vous insistez, et plus vous faites chauffer votre disque. En faisant chauffer le disque, c'est là où vous le faites voiler, tout simplement. Ou alors, même sans glacer vos plaquettes, si jamais, comme j'ai dit, vous avez une caravane, une remorque bien chargée, ou alors que vous roulez très vite et que vous freinez, ça peut arriver que vous vraiment vous freinez, vous insistez sur le frein, ça peut arriver que vous voilez vos disques. Voilà, ça, si vous le voilez quand ils sont neufs, ça va être très difficile à le détecter parce que même si vous démontez, vous passez le doigt, vous n'allez pas le sentir. Voilà. Après, il y a une autre solution quand vos disques qui sont usés et qui sont voilés, c'est par rapport à des plaquettes, des fois qu'ils ont été bouffés, vous avez changé les plaquettes, mais pas les disques, vous l'avez fait deux, trois fois. Là, vous pouvez le voir en passant tout simplement votre doigt de bas vers le haut, de haut vers le bas. Là, vous allez sentir qu'il y a des bosses. Si vous sentez qu'il y a des bosses et quand vous freinez, votre disque, enfin votre volant se met à trembler, là, il vous faut changer les disques. Bien sûr, quand vous changez les disques, si jamais ils sont marqués, là directement, même si vous avez les plaquettes qu'elles n'ont pas beaucoup roulé, il vous faut changer les plaquettes en même temps. Voilà, pour pas que le phénomène se reproduise. Ensuite, que je voulais vous dire, cette étape-là, en fait, c'est quand vous freinez, c'est quand c'est votre disque, en fait, c'est quand vous freinez, mais pas légèrement. Quand vous touchez légèrement la pédale et que le volant se met à trembler, ça ne peut pas. Allez, je vais être à 80% que c'est pas les disques. Voilà, les disques, en fait, c'est quand on appuie vraiment. Et que là, on sent que le volant tremble. Si vous appuyez vraiment que le volant tremble, là, c'est les disques. En fait, quand vous appuyez, tout simplement, je vais vous mettre avec mes mains, quand vous appuyez, vous freinez, si vous touchez juste la pédale, en fait, c'est les rotules qui vont jouer. La voiture a commencé à freiner, et là, les rotules vont se mettre à trembler, les roues vont se mettre à vibrer, et votre volant se met à vibrer. Voilà. Si vous appuyez vraiment, en fait, quand vous freinez, vous appuyez vraiment, ce qui se passe, c'est que vos roues, elles s'écartent avec le poids de la voiture. Ça s'écarte, ça ne peut plus être les rotules. Et là, c'est les disques, quand ils sont voilés, que ça vous fait trembler. C'est les disques qui sont voilés. Et quand ça vous fait trembler le volant. Voilà, c'est très simple à retenir. J'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo, dans mes explications. Voilà, j'espère que ces explications pourront quand même vous aider à trouver quelques pannes. Je sais que des fois je suis pas trop clair, mais bon. Dans l'ensemble, je pense que c'est correct. Mais je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.